Petite visite dans l'atelier mystérieux d'Olivier, là où tout prend forme. Là où les récits deviennent de la matière vivante, avec des recherches sur les petits êtres. Sur les lettres. C'est assez drôle de se découvrir en deux dimensions. Alors, il y a des croquis, tout ne sera pas dans le livre. Celui-ci il est très drôle. Un des lieux d'ailleurs, c'est la sortie où on s'est rencontré avec Olivier, dans cet endroit-là. Ce qui m'a donné envie de lui demander de faire ses illustrations. Alors. J'ai fait une bêtise. Hop. C'est une grande richesse. Une image qui est en train de naître. Une illustration d'une autre histoire. Voilà. Alors ça, c'est encore moi, une autre version. Sacrée histoire, celle-là aussi. Sacrée expérience. Les gardiens. Des croquis en braque. Ce bel être. C'est tellement beau de les voir prendre forme en fait. Moi je les ai rencontrés dans l'invisible et donc je fais de mon mieux pour les décrire à Olivier et qui après arrive à avoir la magie de la couleur, de la forme, à les mettre sur le papier. La petite fée du livre. Cascade, la cascade de la Druise dans la Drôme. Cette image que certains connaissent déjà. Celle-ci aussi. Je crois qu'on a voilà, fait le tour. Et voilà. Donc je me réjouis de partager ça avec vous. La découverte de l'atelier avec ce merveilleux travail qui est fait avec tellement d'attention et de connexion d'Olivier. Voilà.